Bienvenue dans cette vidéo sur la façon de configurer le débit préautorisé ou DPA dans le portail client de la GCRA. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les informations générales sur les paiements et les soldes dans le portail client de la GCRA, comment mettre en place un débit préautorisé ou DPA, comment gérer vos accords de DPA et comment confirmer vos paiements. Commençons! Tout d'abord, voyons comment l'Agence de services frontaliers du Canada traite les soldes et les paiements dans le portail client de la GCRA. Les soldes et les paiements étant liés au compte, assurez-vous que vous êtes dans le bon compte lorsque vous vous connectez. Vérifiez le numéro de compte dans le coin supérieur droit de la page d'accueil et passez au compte souhaité si nécessaire. Votre solde d'ouverture actuel se trouve sur la page d'accueil, sous la liste des transactions récentes. Votre solde sera ajusté chaque fois que vous effectuerez un paiement ou que de nouveaux frais seront appliqués à votre compte. Si vous avez pris des dispositions avec votre courtier en douane pour qu'il paye les droits et les taxes à la SFC en votre nom, il est important de noter que les paiements que vous effectuez dans le portail client de la GCRA ne seront pas appliqués à ces montants impayés. Nous vous encourageons à consulter votre courtier en douane avant d'effectuer tout paiement. Vous pouvez y trouver vos informations financières, y compris l'historique de vos transactions, vos relevés de compte et vos factures de la SFC. Vous pouvez accéder à cette page en cliquant sur ce lien « Renseignements financiers » ou en naviguant vers la section « Renseignements financiers » qui se trouve dans le menu. Dans la section suivante, nous verrons comment configurer les débits préautorisés ou DPA. En établissant un accord de DPA, vous autorisez la SFC à prélever des paiements préautorisés de votre compte bancaire chaque mois. Sur la page d'accueil, cliquez sur « Paiement ». Puis, cliquez sur « Prélèvement automatique ». Vous pouvez également accéder à cette page par le biais du menu en sélectionnant « Paiement » puis « Prélèvement automatique ». Si un accord DPA est déjà établi, vous le verrez ici. Comme vous pouvez le voir, ce compte n'en a pas, alors mettons-le en place maintenant. Sous « Gérer un DPA », cliquez sur « Créer un nouveau DPA ». Saisissez vos informations bancaires, notamment le numéro de transit et le numéro de compte. Notez que vous ne pouvez pas configurer l'accord DPA pour débiter une carte de crédit. Il faut passer par un compte bancaire. Définissez la date d'entrée en vigueur pour indiquer quand l'accord de DPA doit commencer. Saisissez le montant maximal de votre retrait. Si vous laissez ce champ vide, le montant sera par défaut égal à la totalité du solde. Ensuite, vous devez lire et accepter les conditions d'utilisation de l'accord DPA. Vous devez parcourir les présentes conditions d'utilisation avant de pouvoir cliquer sur les trois cases à cocher de la certification. Cliquez sur les cases à cocher lorsque vous êtes prêt à confirmer votre accord sur les termes et conditions. Il s'agit notamment de certifier que les informations bancaires que vous avez saisies sont valides. Cliquez sur « Créer un nouveau DPA ». Sur l'écran suivant, vous recevrez une confirmation de l'accord. Ensuite, passons en revue la gestion des accords de DPA. De retour sur la page de débit préautorisé, faites défiler vers le bas jusqu'à « Gérer un DPA ». Cliquez sur le bouton « Historique des accords de DPA ». Cette page montre chaque accord que vous avez créé et à quelle date. Cela inclut les accords DPA qui ne sont plus actifs.
vous pouvez télécharger n'importe lequel de ces accords en format PDF. Veuillez noter que le PDF d'un nouvel accord DPA ne sera pas disponible avant 5 heures du matin le lendemain. De retour sur la page DPA, vous pouvez modifier ou annuler un accord DPA existant. Si vous modifiez une information dans l'accord DPA, vous devez reconfirmer votre accord avec les conditions générales comme indiqué précédemment. Enfin, voyons comment examiner les paiements. Les paiements DPA sont effectués automatiquement et vous les verrez donc dans l'historique de vos transactions. Veuillez noter que les paiements par DPA ont lieu à 5 heures du matin, heure de l'Est, à la date à laquelle votre solde est dû. Allez à la page historique des transactions. Votre solde sera automatiquement ajusté à chaque paiement DPA. Faites défiler vers le bas pour voir vos transactions récentes, y compris tous les paiements DPA qui ont été effectués. À l'extrémité droite de cette ligne, vous verrez des liens pour vos reçus de paiement. Vous pouvez cliquer dessus pour les visualiser et les imprimer. Voici quelques points importants à retenir. Le DPA prélève des fonds sur un compte bancaire pour payer votre solde. Il s'agit d'une entente entre vous et la SFC. Vous pouvez gérer vos accords DPA dans le portail client de la GCRA. Et enfin, vous pouvez suivre vos paiements sur la page historique des transactions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.